est Jackie et je suis mineur. Quand je serai majeur, je deviendrai mineur. Je veux parler de l'univers minier et de la géographie, deux sujets qui m'intéressent beaucoup. Aimeriez-vous savoir quels métaux se retrouvent dans votre télé et d'où viennent-ils? Premièrement, plusieurs métaux se retrouvent dans votre écran ACL. Par exemple, l'indium, le tantal et le cérium. L'indium sert à produire les petites électrodes qui recouvrent l'écran ACL de votre télé ou de votre iPod. 50% de la production mondiale d'indium est utilisée dans l'électronique. Le tantal sert à produire les condensateurs de votre télé et le cérium entre dans la composition du verre de vos écrans de télé. Par contre, d'autres métaux sont utilisés comme l'étain, le cuivre, le terbium et l'europium. Mais je manque de temps pour tout vous expliquer. Maintenant, un peu de géographie. L'indium est produit plus en Chine de 35%, au Canada de 26%, au Japon de 16% et en Belgique de 8%. Le reste est produit dans le monde à 15%. L'Australie produit 60% de besoins mondiaux en tantal. Les autres pays sont dans l'ordre de le Brésil et le Canada. Les mines Tanco au Manitoba produisent du tantal. Pour conclure, nous savons déjà que le Canada est un pays minier. Mais maintenant, nous savons qu'il est un producteur important d'indium et de tantal. Peut-être que les métaux de ma télé sont canadiens. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.